Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. Bonne année. Alors, tuvimos un problema chico de que ya se está arreglando, así que esperamos 5 minutos para empezar. ¿Quieren seguir difundiendo un poco más? Bueno. ¿Ça va, todo el mundo? ¿Vous suivez bien? Ça va. Vous avez pu chercher des informations annexes? De votre côté, vous comprenez bien? Parfait. Bonsoir. Bueno, bonsoir. Mientras tanto, bonsoir. Si vous avez des questions, on peut commencer à parler hasta que me den el OK. Estamos visitando una ciudad con Tamara. Sí. Merci. Hola. Ok, c'est bon. On peut commencer. Donc, bonsoir, bonne année à tous. J'espère que vous êtes tous bien, en bonne santé. Alors, on recommence ce mois-ci avec la découverte des régions. Et je vais donc vous proposer de découvrir cette semaine, ce mois-ci, janvier, une région qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous propose pour commencer de voir quelques images de cette région. Du nord de la région, comme c'est une région très grande, je vais la découper. Le mois dernier, donc, j'ai fusionné deux régions parce qu'elles étaient petites. Cette fois-là, elle est très grande, on va la découper en plusieurs parties.
Alors, on vient juste de terminer avec un bateau qui s'appelait l'Hermione. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On avait reconstruit en France un bateau comme à la Renaissance et il a retraversé pour aller jusqu'en Amérique. C'est récemment qu'il a été terminé. Voilà. Donc, je vais commencer en vous présentant cette très belle région qui s'appelle donc la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que... Donc, c'est une région très grande. Elle est ici au sud-est de la France. Voilà. Elle existe depuis peu. Elle existe donc depuis 2014 et regroupe trois anciennes régions. Car en 2014, on a changé les régions, on en a fusionné énormément. Ceux qui étaient là au début ont peut-être déjà entendu, mais cette carte est nouvelle et c'est possible que vous ayez vu déjà une autre carte, que estén acostumbrados a ver otro mapa, avec des régions beaucoup plus petites. Pour que ce soit plus simple, ce mois-ci, on va la recouper comme elle était originellement. Donc, avant, on avait le Limousin, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine, parce que c'est une région donc très riche, elle a un patrimoine très, très important. C'est une région très grande en superficie, elle est plus grande que l'Autriche, un petit peu, que Austria, l'Autriche. Voilà. Et donc, sa préfecture, la ville la plus importante, c'est Bordeaux, que vous connaissez sûrement pour son vin, pour son équipe de football, je ne sais pas. Et on a donc, pardon, 5 956 978 habitants en 2019. On appelle les habitants les Néo-Aquitains. C'est la quatrième région la plus peuplée. C'est une région quand même très importante. Donc, si on regarde plus précisément, je vous disais qu'elle était faite de trois régions. On a donc au nord le Poitou-Charentes, celui qu'on va voir aujourd'hui. À l'ouest, le Limousin. Et au sud, l'Aquitaine. Il y a eu beaucoup de débats pour savoir comment allait s'appeler cette nouvelle région. Au début, ils pensaient l'appeler l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, un nom très très long, et ils ont choisi ce nom un peu plus court de Nouvelle-Aquitaine. Elle est donc composée par 12 départements. Elle est très riche au niveau de son histoire. L'Aquitaine est très connue depuis le Moyen Âge, mais aussi au niveau de la préhistoire, car c'est ici, en Dordogne, qu'on trouve les grottes de Lascaux. Donc la Dordogne, c'est là. Je vous montrerai tout de suite qu'est-ce que c'est que les grottes de Lascaux pour ceux qui ne connaissent pas. On trouve aussi l'embouchure de la Garonne. Je tiens à ce que vous connaissiez les fleuves, los ríos importantes franceses. Donc on a vu la Loire, le plus long, et là, à Bordeaux, se trouve l'embouchure de la Garonne, un autre fleuve très important en France, il y en a cinq. Et enfin, c'est une région, cette région immense, qui a un patrimoine naturel très varié. On trouve par exemple le bassin d'Arcachon en Gironde, ici. On trouve la Venise verte dans les Deux-Sèvres. Ou on trouve par exemple dans la Creuse les cascades de Gimay. Donc je sais, vous me dites déjà, je ne sais pas, je ne connais pas. Je vous montre tout de suite, pas de panique. Donc les grottes de Lascaux, ce sont des grottes qui ont été découvertes en 1940. On les appelle aussi le Versailles de la préhistoire, car ce sont des grottes avec énormément de peintures préhistoriques. C'est des traces du paléolithique très importantes que l'on trouve à l'intérieur. Elles ont été découvertes par un groupe d'enfants jouant ou par un groupe d'enfants qui se promenaient avec un chien, on ne sait pas exactement. On trouve le bassin d'Arcachon, donc ça c'est près de Bordeaux. C'est une très grande lagune, c'est à peu près 50 km de Bordeaux. Et on trouve la Venise verte à laquelle on va s'intéresser plus précisément aujourd'hui. Donc c'est un marais, ce qu'on appelle aussi pantano.
Et voilà pour terminer les cascades de Gimelles que l'on trouve dans la Creuse. C'est une région très rurale où on peut quand même trouver cette rivière assez jolie qui propose une série de cascades. Un peu comme las cataratas. Pero mucho más chico que Iguazú, obviamente. Voilà. Donc là, vous voyez un peu la Nouvelle-Aquitaine dans son ensemble, son unité. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette région immense? Et aujourd'hui, je vous propose de voir un peu plus précisément donc la région qui se situe au nord, le Poitou-Charentes. Donc, vous voyez ici son blason, son drapeau historique qui n'est aujourd'hui reconnu par aucune administration. Mais historiquement, c'était représenté par ce drapeau. Donc, le Poitou-Charentes est composé de 4 départements. La ville principale que l'on va trouver sera Poitiers, dans le département de la Vienne. On trouve aussi des villes très connues comme Angoulême, comme La Rochelle, qui n'est pas sur cette carte, ou comme par exemple aussi Cognac, qui a donné le nom à son alcool très fameux et aussi à ses vignobles. On fait beaucoup de vin autour de la ville de Cognac. Et c'est aussi une région dans laquelle on va trouver des îles très célèbres sur la côte atlantique que vous voyez là. Donc, les deux grandes sont très célèbres. Il y en a une toute petite que j'ai nommée l'île d'Aix. Elle est très, très petite. On ne la voit pas. Ici, on voit donc l'île d'Oléron et l'île de Ré. Ce sont des îles très appréciées, des îles vraiment très prisées par les Parisiens, par en général tous les Français pour aller en vacances au bord de la mer. Et c'est aussi là qu'on va trouver le célèbre Fort Boyard. C'est une ancienne prison construite au XIXe siècle. Et peut-être que vous l'avez déjà vue, elle sert aujourd'hui d'émission de télévision. À l'intérieur, il y a beaucoup de jeux, il y a des parcours et des équipes viennent pour s'affronter à Fort Boyard. Anciennement, donc, c'était un bastion, une prison. Voilà, donc je vous montre quelques petites images de l'île d'Oléron qui est assez réputée en général pour son sel. On récupère beaucoup de sel et on va le vendre. Dans cette région, c'est assez typique, de Nantes jusqu'à Oléron. Voilà, donc pour accéder à l'île, à Oléron comme à l'île de Ré, il y a des ponts. C'est un pont absolument gigantesque, très impressionnant, qui mesure presque 3000 mètres. 2800 et quelques, je crois. Voilà, l'île de Ré, une très très belle île, plus petite qu'Oléron, mais aussi très jolie. On trouve des plages pour se baigner, on y trouve des phares. Nos faros, comme on avait déjà vu, qu'on peut visiter. Et aussi beaucoup de petites villes très, très charmantes. Et beaucoup de ports, évidemment. L'eau, pour ceux qui veulent se baigner, l'eau est un peu plus chaude qu'en Bretagne. Un poco menos fría que en Bretagne. On peut plus facilement entrer dans l'océan. Voilà. Et donc, pour terminer, je voulais vous présenter une spécificité de cette région, le marais Poitevin. Donc, marais, je vous le répète, c'est un pantano. Donc, c'est un parc naturel régional, un des plus grands d'Europe, le deuxième plus grand de France, le deuxième plus grand marais, de 98 000 hectares. Donc, précisément, il est là, juste au-dessus de nos deux îles. Il comporte plusieurs zones, des zones sèches où l'on va cultiver et des zones humides. Donc, c'est une zone qui a été aménagée par l'homme dès le XIe siècle. Et grâce à un ensemble de réseaux, on peut diminuer les effets des variations de précipitation, l'inondation en hiver et les sécheresses en été. Permettez de régular las acciones del agua. Permettait también de ganar territorio sobre l'océan. Il y a beaucoup de barrages, donc presas, qui permettent de faire une régulation très précise, très fragile entre l'eau douce et l'eau salée. Et ces marais ont la particularité de pouvoir d'être visitables. On peut s'y promener en barque. Il y a environ 700 kilomètres 700 km
des canales. On peut très facilement donc s'y promener et c'est absolument magnifique. Donc c'est un milieu naturel fragile. Il faut imaginer que des digues ont été construites pour repousser l'océan il y a de cela presque 1000 ans. Tiene casi 1000 años. Y para sostener esas presas, pusieron muchos árboles. Y de ahí se desarrolló una naturaleza muy importante. Et donc, ça a le statut de parc naturel régional. Comme je parle beaucoup de parcs naturels, de réserves naturelles, je vais vous préciser ce que c'est un petit peu. Donc, c'est une appellation, une labellisation d'un lieu pour le protéger et pour le mettre en valeur, para valorizarlo. Donc, ça va être en général un lieu rural, un grand espace rural à la campagne, en dehors des villes, qui sont habitées. Et ça va être un paysage ou un patrimoine très riche culturellement, d'une très grande qualité, mais aussi très fragile. C'est pour ça qu'il a besoin d'être protégé et c'est pour ça donc qu'on va lui mettre ce titre, cette labellisation. Voilà, donc tout, il faut imaginer, cette zone, le Marais de Poitevin, n'est pas exactement en Nouvelle-Aquitaine. Il est entre les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Il est sur 3 départements. Donc c'est une zone quand même très importante, je vous le répète, 90 000 hectares. C'est beau, 98 000, excusez-moi. Voilà, donc on y trouve vraiment de quoi, d'accueil pour les touristes, des campings, des gîtes. Comme la Loire à vélo, on peut aussi se faire un parcours en vélo au sein des Marais Poitevin. Je vous montre tout de suite pour vous donner un peu plus d'envie. Voilà. Il y a beaucoup aménagé. Il faut imaginer qu'en fonction des marées, en respectant la marea, le niveau de l'eau va monter ou descendre. Donc, parfois, ça peut être inondé lors des grandes marées en hiver. Et en été, l'eau va un peu baisser. Por eso se recomienda de ir entre la primavera y octubre. Entre, ouais, mai, juin, juillet, août, septembre, par là. Comme ça, ce sont les meilleures saisons pour pouvoir visiter cette région. Pardon. Voilà, on propose beaucoup de visites en barque. Donc, la barque, traditionnellement, c'était le moyen de transport de cette région. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de canaux, toute la région, pour pouvoir enlever cette eau, tout irriguée. On a creusé énormément de canaux, donc il y a très peu de rues, mais surtout des canaux. Tout le monde a une barque et les maisons anciennes sont toutes avec un accès à un canal. Voilà. Et donc, pour terminer, je vous propose de voir quelques images en vidéo par drone de cette région très, très belle et très, très riche, qui s'appelle donc les Marais Poitevin. Le Marais, pardon, au singulier. Thank you.
Voilà. Donc, quelques petits détails que j'avais oublié de vous dire. Donc, ce marais a commencé à être aménagé par des moines. C'est pour ça que dans les images, on a pu voir une abbaye, une ancienne église, car ce sont les moines qui ont commencé à penser. C'est un système, c'est compliqué à résumer, car c'est un système très, très précis, très, très ingénieux, pour pouvoir réguler entre l'eau douce, donc l'eau qui n'est pas salée, et l'eau de mer, pour que l'eau de mer ne rentre pas, mais que l'eau douce puisse s'évacuer. Como vimos en las puertas, que es un sistema que se abre solamente para que el agua sin sal salga. Cuando se levanta el mareo, automáticamente se bloquea. Eso es un sistema muy antiguo. Et donc, le marais Poitevin propose énormément de paysages. Comme vous avez vu du côté de la mer, c'est beaucoup plus sauvage. C'est un paysage aussi où on va trouver les marais salants. Ce sont ces prairies où l'herbe va être salée et va être très riche. On la donne à manger aux moutons ou aux vaches. Et ensuite, la viande est salée. C'est un système assez spécial que l'on trouve aussi autour du Mont Saint-Michel où les marées sont très fortes. Et à l'intérieur des marées, donc ce qu'on a vu beaucoup, c'est la partie beaucoup plus touristique. Voilà. Nous sommes très peu. Donc, si vous avez des questions, ou que ce soit sur le, si tienes preguntas sobre el vocabulario o algo que le queda con dudas, no tengo problema en contestar. Et donc, sinon, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Je vous remercie donc d'avoir été présent. Pardon, Agathe, bonsoir. Bonsoir. Et c'est Marianne. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est le sel que tu as dit qu'il y avait des sels qui se vendaient? Ah, le sel de Guérande. Oui, le sel de Guérande. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sel, la salle. Ah, le sel. Ah, le sel, oui. Je pensais que c'était une espèce de poisson ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas que c'était seulement le sel. Pardon. Non, mais il n'y a pas... C'est normal, parce que comme en féminin en espagnol et masculin en français. C'est pour ça, oui, oui. Franchement, oui, oui, oui. Et ostras también. À Oléron, c'est quand même muchas ostras. Des huîtres. Très fameuses. Ah, des on ne fait pas le liaison, non? Quand on parle des huîtres ou des oui. Huîtres. Des huîtres. Des huîtres. Oui. Oui, on fait la liaison. OK. Oui. Merci beaucoup, Agathe. Mais de rien. À lundi, j'espère. Agathe, je suis Sylvia. Les grottes de Lascaux se peuvent visiter? Alors, están, no sé bien, porque antes sí, y están viendo que con, creo la respiración o algo así, l'afflux de touristes, el hecho que había mucha turista, empezó a, comment decir, desgastarse, a comenzar a... Desgastar, sí. Donc, empezaron a ver si podían construir otras iguales, une réplique pareille pour les touristes et les grottes resteraient fermées. D'accord. No seguí, eso es como hace un par de años, yo no seguí ese tema más. Pardon. D'accord, merci. De rien. Une autre question? Merci non. Agathe. Bah, de rien. Merci à vous. Non. Merci beaucoup Agathe, à la prochaine. À la prochaine. Merci, à la prochaine. À la prochaine, merci.